Attendez, vous étiez censé être là il y a une heure déjà. Où êtes-vous? Dans le taxi. Pardon. Où? Où exactement? Je suis déjà là, pardon, pardon, je suis déjà là. Je suis déjà là. Elsa. Elsa, c'est. Oh, non, c'est toi. Hey, c'est ici que tu walks, c'est quoi? Bonjour, monsieur Kandé. Vous êtes en retard. Et où est votre cache-nez? J'en étais sûr. Suivez-moi, on est en retard. Alors, chaque matin à votre arrivée, vous devez arborer votre masque, vous faire désinfecter les mains, vous faire prendre votre température. Allez-y. C'est stagiaire. Maintenant que c'est fait, vous avez un mois de stage parmi nous. Et pendant ce mois de stage, nous attendons vraiment à ce que vous soyez ponctuel et assidu. Votre heure d'arrivée est fixée pour 8h et votre heure de départ pour 16h. Vous aurez une pause entre 13h et 14h et chaque jour à votre arrivée, vous écrirez votre nom à la réception et pareil à votre heure de départ, c'est clair? Très clair, madame. Bonjour Sandra. Vous recevrez de nous un règlement intérieur, une liste de vos tâches et un carnet de stage. Dans le carnet de stage, vous noterez toutes les tâches que vous effectuerez chaque jour et ce, sans rature, s'il vous plaît. Et j'oubliais, à la fin de votre stage, vous aurez 2 semaines pour nous produire un rapport sur la base duquel vous verrez décerner une attestation. Des questions? Bien. Alors nous allons commencer par vous présenter au personnel de la maison, en commençant par la directrice. C'est l'heure de la pause café, monsieur Kandé. Vous pouvez faire un break si vous voulez. Ok, madame. Gaëtan? Oui. On est seul, on ne peut pas aller librement même. Maintenant tu me connais. Ouais, gars, je te connais, non? Pardon, pas, je t'écoute. C'est juste que depuis le matin, tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu es arrivé en retard. Après, tu ne t'es pas excusé. Tu ne t'es même pas justifié. Après, tu as adopté un comportement tout à fait inapproprié envers moi. Tu es là. Non, on n'est pas les amis du quartier. Ici, je suis la directrice des ressources humaines. Et toi, tu es stagiaire. Il y a un comportement professionnel que tu dois adopter. D'accord. Et pour le retard, c'est... En fait, un simple message aurait suffi à rattraper le coup. Genre, ok, je suis en retard parce que nanana, tu donnes la raison et tu dis ok, je serai là dans tel nombre de temps et le tout a joué. En plus, tu n'es pas obligé de mentir, sérieux. Tu étais dans le taxi qui t'a appelé. Tu l'appelles. Et aussi, avec les collègues de travail là et au bureau, gars, c'est vous. Donc, c'est pas tu, c'est pas la go, non, non, c'est vous. Mais on sait très bien ce qu'il y a entre nous quand même. Hein, gars? D'accord, d'accord. Donc, vraiment, je ne prends pas mal. Je vais essayer de m'adapter, ça va. Ok. D'accord. Sinon, ça va? Ça va, ça va. Vous avez un paquet de chips? Ah, merci. Ça, tu sais, chez la mère, c'est à côté. Oui. Ah, j'aime beaucoup ces chips. Sauf que c'est là. Tu as. Gaëtan? Oui. Tu es sérieux là?
quoi? Oh non, 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 oh non! C'est parce que... Non, non! J'avais mes chaussures, j'avais les babouches dans le sac. C'est parce que tu as dit pause, non, que j'ai mis les babouches. Gaëtan, on est au bureau. On est au bureau. Est-ce qu'on est à la maison ici? Ouais, c'est bien.